Bonjour. L'engagement physiologique, c'est quand votre corps et votre mental, votre volonté foncent dans la même direction sans se poser de questions, sans aucun doute, avec une énergie tranquille et sûre, et aussi avec enthousiasme, que ce soit pour vous, mais aussi pour vos équipes et l'ensemble de votre organisation. Il s'agit en fait d'un alignement à l'intérieur de vous-même, car 75% de votre réussite est liée à cet alignement interne. Un alignement entre votre neurologie, vos émotions et aussi votre physiologie qui fait que vous engagiez absolument l'ensemble des énergies de vos ressources internes et externes dans cette direction. Retrouvons une courte vidéo qui donne un exemple d'un séminaire d'une journée transformant complètement une équipe, voire même une organisation vers plus d'engagement. Concrètement, opérationnellement. Et trouvons ensemble la manière d'accompagner votre équipe, votre organisation vers un engagement physiologique plus fort, que ce soit format de séminaire, de formation ou d'un accompagnement plein temps dans la durée. À très bientôt, merci. My passion is to help organizations to transform themselves. I'm doing the job so that you, every one of you, can go to this transformation as a collective team together. We will have three sequences: the why, which is the value, the how, which is mostly about relationship, and the third topic, going into action with the why and the how, which means with a different energy within ourselves. What is your relationship with your neighbor now? Raise your hand if it is different from before. Okay. How did you get to more confidence with the other person? With only three questions. When you are aligned, when there is flow within yourself, you are lean. Why were you remembering this teamwork? Because what you have shared with the other people at this moment is unique. You know that this is that makes a difference in a team and that we make the journey to a collective adventure. Are you fully aligned with the action you're doing right now? Do you, in this action, truly believe this action is the best to do now? If you're fully present to the action, the way you do it, the energy will be quite different. Was this below average or average? Was this good or was this great? Thank you.